Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien, moi ça va mieux. Désolé, ces derniers temps les Daily Run n'étaient point au rendez-vous. Tout comme les vidéos vous aurez remarqué, mais je suis malade comme un chien. Voilà, ça va mieux, hein. Je suis plus autant malade qu'avant. Mais ça a été très difficile. Ça a été très difficile à vivre. Alors, je vais raconter des conneries, mais bon. Donc j'espère que vous allez bien, excusez-moi. Ne pas avoir tenu le rythme imposé, excusez-moi, qu'il n'y a plus de let's play sur la chaîne en ce moment. Ça va revenir. En fait, j'ai enchaîné fièvre et rhume. F-up, ok. J'ai enchaîné... Allez, je tente! Je tente la Ludicolo Technique, qui me permet, vous voyez, d'avoir l'alarme qui sort de n'importe où. J'ai été pas mal pris par la maladie. Quand je dis pas mal pris, en fait, c'est pour dire, en gros, j'ai pris cher, quoi. Et en fait, j'ai une petite anecdote rigolote à propos de ça. Je suis tout le temps malade au moment du TGS. Puisque là, vous savez, on est vendredi. Oui, on est vendredi. Et d'ailleurs, vous me retrouvez au TGS ce samedi dimanche, les deux jours. Et en fait, chaque année, je suis malade au moment du TGS. C'est oufissime. En fait, j'ai une malédiction sur la gueule, je pense. Et donc, exactement comme prévu, j'étais malade pour le TGS, voilà. Mais bon. Et je serai sûrement malade. Ah, attendez, je vais mettre le... Merde, j'ai encore oublié de mettre le single. Oh, tant pis, je le ferai pour la prochaine fois. Si j'oublie pas de le refaire encore une fois, c'est pas grave. Donc voilà, c'est ma malédiction habituelle. Forcément, dès que... Putain, j'ai peut-être envie de prendre... J'aurais peut-être dû attendre pour prendre Chaos. Je crois que c'est Chaos, ça. Donc c'est full bordel. En gros, tous les items pool sont mélangés. Je vais avoir Godhead en item room. Ça peut être débile. Alors mentalement c'est assez compliqué de gérer le Ludicolo Technique comme ça, je vous le concède. Et si tu es le petit d'abord. C'est plus facile. Ouais voilà. Donc historiquement je suis tout le temps malade pour les TGS. Et le pire c'est que là je vais sortir de mon rhume. Je vais choper une connerie de TGS puisque c'est un grand regroupement de personnes. Donc il va forcément avoir des gens malades. Forcément je vais choper une maladie, ça va être infect. Bref. Tout ce que je peux vous dire c'est que l'activité sur YouTube va revenir. Ne vous inquiétez pas, déjà les daily runs vont reprendre. Peut-être pas ce week-end vu que comme je suis au TGS forcément, j'avoue que je pourrais profiter à fond de l'événement sans trop me prendre la tête. Lundi vous avez le Witcher qui revient, le Sorceleur qui revient. Pour votre plus grand plaisir ou déplaisir vu le nombre de gens qui regardent cette série. Puisque j'ai l'impression que cette série ne plaît pas. Bon écoutez, moi ça me plaît. J'ai envie de vous dire, tant que ça me plaît, j'ai envie de continuer de le faire, vous voyez, parce que je suis pas réellement ce qu'on pourrait appeler un gros youtubeur entre nous. Donc autant que le peu de vues que je fasse, mais je fasse sur des trucs qui me plaisent, comme Isaac, Witcher, MGS, des trucs comme ça. Voilà. En tout cas, j'hésite aussi à vous refaire. Enfin, j'ai fait Ori and the Blind Forest en stream, qui est un très bon jeu. Avec les soldes de Steam, si vous pouvez le trouver à pas trop cher, achetez-le, c'est un jeu magnifique. Et du coup, je pensais à vous le faire sur le YouTube, mais cette fois-ci à 1080 60 fps. Parce que sur le stream, je peux pas streamer plus haut parce que daily, ça galère, voilà. Alors c'est bien que je trouve une clé par contre. Mais voilà. En tout cas, je ne suis pas mort, ne vous inquiétez pas, je vais entre guillemets bien, je vais bien puisque vous savez que quand le moral va, tout va. Quand le moral va, tout va. La 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 la. Mais non, je sais que c'est quand l'appétit va, tout va dans le film Astérix, vous inquiétez pas. Mais bon, vous avez compris l'idée. Je vais bien. Juste que je suis un peu malade, donc bon, le corps suit pas l'esprit, on va dire. Mais ne vous en faites pas. Le plus important, c'est que dans la tête, tout va bien. Tant que dans la tête, tout va bien, c'est que ça pourrait aller pire. Et merde. Et là j'ai envie de me moucher, vous voyez. J'avais enregistré quelques daily runs, mais en fait je me mouchais tellement que ça c'est genre infect. Du coup voilà, c'était pas présentable comme vidéo, dire des vidéos où toutes les 30 secondes, là ça va mieux, donc du coup j'ai moins mouché que ce que j'aurais dû, mais... Il y a un moment... The Hermit, c'est ça le TP, c'est TP ici, ok parfait. Il y a un nouvel objet là qui a l'air plutôt pas mal. Enfin, prendre la clé pour le prochain étage.
Du coup, je vais pas prendre l'objet. Parce que bon. Pour une abeille, me figer des gros dégâts, j'ai pas très envie. Je préfère garder mes cœurs bleus. Et pas. Ah oui, et comme prévu, le truc, le petit guide pour Isaac va. Et le premier épisode, en tout cas, le pilote est enregistré. Je vous le proposerai très bientôt pour avoir vos retours dessus. Mais j'attends en fait d'avoir une miniature personnalisée. Bon, le problème c'est que. Oh. 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 Oh oui. The Pact. J'attends d'avoir une miniature personnalisée pour avoir vraiment une identité sur cette série. Mais bon, le problème c'est que ça prend un peu de temps. Voilà. Mais bon, j'y crois à mort que ça arrive soon. Comme ça, vous aurez le pilote, vous me direz ce que vous en pensez. Je ferai les épisodes suivants en fonction des retours que j'aurai eu. Et après, on se fera un kiff et on fera donc 1001% dans le plus grand des calmes. Voilà. Mais en tout cas, ça arrive. C'était surtout pour vous dire que ça arrive, quoi. C'est... L'épisode 1 est tourné. Le pilote est tourné. Maintenant, il faut que j'ai la miniature. Parce que j'aimerais faire... Pour une fois que j'ai un peu d'ambition sur une série YouTube, c'est-à-dire faire un vrai walkthrough de chez Walkthrough sur un jeu qui est... pas si facile que ça, Walkthrough, puisque c'est un jeu... Ouais, je veux dire, Isaac... Non, pour une fois que j'ai de l'ambition, j'aimerais aller jusqu'au bout de mon ambition, vous voyez. The left hand. Donc tous mes coffres vont devenir rouges. Yeah. C'est une run mom en plus. C'est une run qui s'arrête au pied de maman. Au mom's foot. L'avantage c'est que ce mob ne bouge pas beaucoup. Il suffit que je mette la boule sous la gueule. Et merde. Là il aurait fallu que je sois plus serré par rapport à lui. Pour pouvoir vous voyez, comme, en fait vous voyez c'est basique. Plus vous avez, si j'ai un grand angle à faire, forcément j'ai plus de chances de prendre le rayon laser. Alors que si je suis collé à lui, j'ai un petit angle à faire. Du coup c'est mieux, enfin, ça s'appelle de la physique, merde. C'est tout con. Le dead cat, je vais pas me suicider de suite. Oh, j'ai le... C'est le boss juste là. Faut vraiment que je pense à activer le missing HUD quand je fais des runs aussi. Parce que maintenant que je le mets pendant mes runs normales d'Isaac, ce serait grand temps de le mettre pour les runs... Ah, t'es pas slow. Non, tu me touches pas. Juste un peu lent en fait ce strat. The Hollow. Oh putain. Autant dire qu'il aura passé un bon moment. Cat Nine Tail pour plus de damage up et Krampus Death. Un petit Lump of Coil, ça va être pas mal. Krampus Head, c'est vrai que j'ai pas d'objet donc du coup Krampus Reach. Vous savez quoi, on va rusher. Vu que c'est une run mom, on va rusher plutôt que chercher l'objet. Non, du coup la vidéo sera très courte. Mais oui, on va peut-être faire un bon temps et ça c'est bien. Ça peut être pas mal si j'arrive à faire un bon temps pour une fois. Et ta da 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 da. Oh putain, j'avais pas vu le. Le laser. Par contre, si je peux éviter de tout full clear. Parce que je veux aller vite, mais si je dois tout full clear, on n'est pas bien. D'habitude, il y a un petit caillou noir dans ces machins, et là, il y en a trop. RT. Pourquoi vous en faites popper deux là? Vous en faites popper qu'un. C'est très bien. Merde. C'est angoisse un peu ce mob quand même. Faire pop... En fait, à faire pop deux mouches par deux, c'est chiant. Ah oui, d'ailleurs, je rappelle que si vous venez au TGS, j'ai promis quelque chose et je tiendrai mon engagement. Alors, j'ai un peu peur par rapport à cet engagement, que si je le tiens... En fait, j'ai dit, tous ceux qui me reconnaîtront, je leur offrirai un Kinder Bueno. Et en fait, j'ai un peu peur avec les récents événements et l'augmentation du plan Vigipirate, que si je me pointe dans le salon avec 36 millions de Kinder, ils vont faire
Ouais. Oui, ils vont me dire non, non, ça se passera pas comme ça. Putain, j'ai pris un dégât, quel débile. Putain, c'est trop cher. En fait, le Dikovo technique, c'est bien, mais. C'est bien, mais pas bien. Parce que bon, vous voyez, j'ai pris un dégât parce que en soi, j'ai. Je suis trop lent. Masque fine famille. Oh là là, je suis tellement content d'avoir le Dikovo technique pour ce boss. Tu pouvais m'ignorer, salaud, que je te mette la max dans le fion. Little Steven. Voilà. En fait, j'ai peur que les événements récents, quand la sécurité va voir arriver avec autant de Kinder, ils vont faire non. Vous ne pouvez pas rentrer dans le salon. Ça me ferait un peu chier, j'ai un peu peur que ça arrive. Bon, au pire, je sais pas, je me verrai avec mes potes pour qu'ils en prennent un peu sur eux. Voilà. Je sais pas, on s'arrangera. J'espère sincèrement que je pourrais vous filer des Kinder Bueno si vous venez me voir et que vous me reconnaissez. Parce que je l'ai promis. Et moi, j'aime bien tenir mes promesses quand même. C'est bien de tenir ses promesses. Tac. Oups. Merde, il y a un truc, le Little Steven l'a décalé, du coup j'ai pris le laser dans la gueule. RT. Nice, c'est du boss. Nos mamans qui va se faire vaporiser, il offre un bon score. Allez, 10 minutes 56, ce qui me rend 41ème en temps. Bon, du coup, en score, je suis dégueulasse, mais en temps, je suis pas mal. Bon, en même temps, c'est actuellement, là, il est 1h pile. Il est 1h pile quand je finis ce run, donc forcément, il y a déjà quelques personnes qui le font. Mais 41ème, c'est pas mal, bref. Je vous fais des bisous, je vous retrouve très vite pour une nouvelle Daily Run. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, puisque ce week-end, vous aurez sûrement pas grand-chose. Peut-être que je vous mettrai des... je crois que j'ai du Triforce Heroes du Isaac en stock pour samedi et dimanche, mais faut que. Voilà, j'espère que j'aurai le temps. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une journée assez chargée. Des bisous, les gens, à très vite!